Et quelqu'un hier me disait, mais Dame, tu fais pas le Inktober ou un truc du style? Et du coup, je leur disais, bah non, parce que moi, je sais pas trop dessiner, donc... Mais je me disais, finalement, s'il fallait que je fasse un Oktober quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Du coup, j'ai eu l'idée de faire le Slutober. Chaque jour, je m'habille de façon outrageuse, et à la fin du mois d'octobre, eh ben, je passe pour la dernière des connasses. Question peut-être idiote, mais si tu sens que l'OP n'a aucun sens, car tu penses que le jeu va pas te plaire, pourquoi les acceptes-tu? Bah pour l'argent. Quand vous me voyez faire une OP, un bounty Twitch sur un tactical ou un jeu de gestion, vous pensez bien que c'est pas pour l'amour du jeu vidéo. C'est uniquement pour l'argent. Mais évidemment. Je nettoie au Karcher des trucs dans un jeu vidéo et je gagne de l'argent. Ma vie n'a aucun sens. Donc la voiture est splendide. On peut dire que vous êtes un pro pour passer un savon. Ah mais c'est pas Rof Stellar la musique, ça c'est copyrighté. Oh merde, et voilà, je vais me faire ban de Twitch en plus de me faire ban de TikTok. Quelle journée de merde. C'est quoi la prochaine étape? Me faire ban de OnlyFans? De toute façon on vit vraiment dans une sorte de société là. MDR c'est un jeu fait pour elle. Ce jeu-là, tu veux dire? Pourquoi? Parce que je tartine les murs comme j'ai tartiné ta mère? C'est ça? Bah ouais, c'est sûr, ouais, on peut dire que c'est un jeu pour moi, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu de Ting. C'est pour ça, le mini-golf, il est cool. Il est très satisfaisant. Il y a un haut potentiel Ting. Ce qu'on appelle un HPT. Bon, attends, il nous reste quoi à faire, là, en fait? Ah ouais, oh ouais, oh putain la vache! Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu de merde! Oh. Ah le chat, les traces de pattes de chat! Il est allé où? Le petit chat? Ça serait trop marrant s'il était vraiment quelque part. La boule de cristal, elle est pas nette. Mais il y a le chat! Oh bah! Le fameux chat qui manque! On le voit dans la boule de cristal! Mais où il est ce con? Il est dans le désert! Oh le Diplore! Un campement dans le désert! One eternity later. Mais... Les chats. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Il y a plein de chats qui viennent du volcan et qui sont en train d'aller dans cette direction. Oh là là, qu'est-ce que c'est intéressant comme jeu, mais putain quoi. J'ai quand même assez rarement vu un jeu aussi intéressant. Putain. C'est nul à chier. Ça fait 40 heures en 2 semaines qu'on est sur un jeu nul à chier. Je sais même pas comment je fais pour tenir. Mais parce que je prends régulièrement conscience de ce qu'on est en train de faire. Et vraiment, je suis désolé, c'est juste pas intéressant. Tiens, là, je suis sûr qu'il y a un collectible. Moi, j'aurais été game designeuse, là, tu vois. Sous le cadavre, j'aurais mis un truc. Bon, bah, heureusement que je suis pas. Bonjour. 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 Vas-y, Amicia, vise les pommes de pain. Mais... Eh, bonjour. Putain, mais vous êtes trop con. J'ai tellement envie d'imaginer le pire à chaque fois pour ces pauvres gamins. Ah bah voilà, il s'est brûlé lui-même. Il a balancé la fiole contre lui-même et il s'est fait avoir. Ah oh, c'est tellement drôle. Et là, on lui plante un surin dans la gorge. Ah ah, Lucas, on t'a bien eu. Flash, 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 flash. Putain, t'es trop cool. Oui, je vais où? Par là? Non, évidemment, c'est une idée de merde. Il fallait aller là-bas, non. Allez, dites-moi une chanson dans le chat, je vais essayer de la refaire, parce que je m'y connais beaucoup en trombone. Ha 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 ha
Oh putain! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vous laisse, excusez-moi, c'est Manuel Ferrari. Je veux dire, c'est Emmett Shear, là, il est en train d'arriver. J'en ai pour 10 minutes. À tout de suite. C'est quoi déjà le code créateur? Eh bien, il me semble que le code créateur... Dan Live. Un peu DRH, là. Là, je suis un peu la sexy boss, là. Sexy boss qui, aujourd'hui, reçoit 3 stagiaires. Ah, ça vous dit pas une petite vidéo TikTok? Oh, je rigole, c'est bon. Et en fait, je redécouvre en manga et je trouve ça bien mieux en manga qu'en anime. D'ailleurs, l'animé sera bientôt sur Netflix. Ah, si seulement ils voulaient faire un partenariat avec twitch.tv/damdamlive, ce serait tellement aussi bien. Je reste calme. Faut que j'arrête d'être atypique. Putain, nique ta mère. Non mais, je suis pas atypique. S'il vous plaît, sponsorisez-moi. Car, comme on le dit aux The Event... Ça y est. Ça fait 10 ans. Vous avez vu? Vous avez vu le haut de mon setup par ici? Paf. Oui. Ah voilà, et puis en plus on a quelqu'un dans le chat qui dit « T'es vieille, mais t'es bonne ». Donc quelque part, est-ce que ça montre pas qu'il y a une trace de lueur d'espoir sur Twitch pour ces 10 prochaines années? Santé à tous mes haters. Merci à toutes et à tous de suivre ce stream depuis si longtemps. Je suis ravie d'avoir tenu 10 années sur Twitch. Juste merci beaucoup. Sans vous, je ne serais pas là, en fait, tout simplement. Je suis ravie d'avoir passé bientôt un quart de ma vie à faire tout ça sur Twitch, sur Internet. Je vous aime, vraiment. Ce bip bip infernal! Attends, que je vais tout de suite couper. Tais-toi, tu vas te taire? Mais putain, mais ta gueule! C'est l'histoire d'un vampire qui rentre dans un bar. Alors, il voit un mec, il arrive et il fait schlac, schlac, schlac. Merci beaucoup, thank you very much, Ponkel Studio. I hope the definitive version of your game is very cool. And that's why I'm gonna test right now with all the vampires and all the gems we have to collect for the experience. Yes, yes, I do speak. Allez, mourez, putain! C'est déjà un miracle, hein. Tenir 5 minutes avec 5 morts, ils font 0 dégâts. Si, en fait, ils me font des dégâts, mais j'ai la cape qui me protège d'un côté. C'est bon, je l'ai eu. First try, première game de la 1.0 de Vampire Survivor. C'est grâce à mon costume de vampire. Je pense que pour ceux qui n'ont jamais vu le jeu tourner, vous devez rien comprendre à ce que je raconte, mais ça se passe pas trop mal pour l'instant. On va voir si on arrive à faire péter le jeu. Quel pseudo de merde, j'ai pas dit ça, j'ai juste dit que c'était original. On t'a jamais dit que t'étais original? Moi on me l'a beaucoup dit dans ma vie. Je suis spéciale. Ah c'est compliqué hein, c'est vrai que là quand t'as le son qui crache... Ah mais on peut même quitter le... Ah mais le jeu a glitché en fait. Regardez, je peux même quitter le... Je peux OOB, putain, c'est la première fois que je OOB le niveau, quoi. Oh, c'était trop cool. J'ai adoré le moment où il y avait des vampires, là. C'est incroyable comme game. Trop cool. Franchement, moi, si j'étais une viewuse YouTube classique, je m'abonnerais tout de suite.